Rapidement, il y a eu deux, au fond, deux voix. Il y a
Paul qui a commencé, Robert et Jean-Marie qui ont complété, ils ont fait l'inventaire de tous les concerts qu'on a fait pendant plus de 50 ans. Et en fait, ça fait plus de 50 ans parce que ça démarre, l'inventaire démarre en 64, 1964 bien sûr, et ça va jusqu'en 2022. Mais les 50 ans, c'est un repère parce que c'est en 1972 que nous avons enregistré le premier disque. Voilà, c'est donc qu'on a gardé cette date, 1972, pour dire, ben voilà, c'est là que ça démarre. Et là, depuis, on est ce groupe qui est là, avec Jean-Luc qui est derrière, Anna qui est derrière aussi. Voilà pour la genèse. Donc ça, c'était tout à la fin de l'année. Et au fond, on a mis une année à construire ce récit. Donc il y a d'une part l'inventaire, tout ce qu'on a fait. Il y a au moins 10 pages, et c'est petit caractère de tous les concerts, de toutes les manifestations. Et puis en même temps, il y a eu le récit, c'est-à-dire de raconter l'histoire. Et quand on raconte l'histoire, on ne peut pas tout nommer, on ne peut pas tout raconter. Et donc on a divisé je vais peut-être donner la structure du livre, la première partie, ce qu'on a appelé l'origine, c'est au fond chacun de nous qui raconte comment il est devenu musicien d'un côté, et comment il a fini par rejoindre les Célestins. Tout au début, les Célestins sont nés dans une paroisse à Neudorf. Avec, il y avait Jean-Louis, qui était déjà là, et puis Georges et Paul, donc les frères Riesenmann, comme on dit couramment. Et puis il y avait d'autres musiciens qui sont joints, c'était comme ça une structure assez modulable. Il y avait notamment Ernest Reidenbach qui faisait le trombone, et puis Armand Frère qui faisait soit la clarinette, soit le banjo. C'est un peu la structure du début. Et avec ce groupe, donc en 1965, on a fait déjà une tournée, comme on faisait à l'époque, à la Côte d'Azur. Après, il y a eu les services militaires, il y en a qui sont partis, qui ont changé de style, etc. Et puis, peu à peu, on a recomposé les Célestins, et il y a eu un moment déterminant. C'était une émission de télévision, où un banjoiste, tromboniste de Tann, Joe Lutringer avait été demandé pour créer un petit groupe juste dans l'émission. Et c'est là qu'il a invité Christophe, qui à l'époque était faisait le prêtre, je crois, voilà, et puis Robert, qui faisait partie du groupe Colmarien. Et c'est avec cette base que donc on a créé les Célestins qui sont toujours travaillés. Et avec nous. Hein ? À l'émission, il y avait les Colmariens, les Salles Beaujoie. Oui, voilà, avec nous, oui, bien sûr, c'était comme ça une rencontre. C'est une rencontre inaugurale. Voilà. Paul était au service militaire à cette époque, et moi j'ai fait la masse. Ouais. Voilà. Ça, c'est. Donc, vous verrez, donc, c'est la première partie du livre où chacun, au fond, raconte. Georges raconte sa vie de musicien, Christophe et Robert racontent leur premier temps à Colmar et comment ils ont rejoint les Célestins, Jean-Louis son aventure, il était trompettiste, guitariste, et puis pour finir il s'est mis à la batterie. Enfin voilà, c'est comme ça des aléas, et il est bien évident qu'à cette époque-là, on n'imaginait pas que 50 ans après, on serait là encore ensemble à parler de ce projet. Ouais, je crois que c'est la partie à la fois la plus intime et je dirais pour moi la plus intéressante, parce qu'en lisant la prose des uns et des autres, j'ai découvert un tas de choses, y compris le récit que Georges fait de sa vie de musicien. Je me dis, tiens, oui, c'est mon frère, mais je découvre quantité de détails de ce qui nous a, au fond, amené à pratiquer ce jazz Nouvelle-Orléans. Parce qu'au début, on jouait dans une fanfare. Une fanfare d'église. Voilà, des fanfares d'église. On avait ces instruments avant, et puis alors, peu à peu, on a choisi de faire du jazz de Nouvelle-Orléans, et si vous me demandez pourquoi, comment ça s'est fait, je crois qu'il n'y a pas de réponse. Ça s'est fait comme ça, peu à peu. Je vous donne rapidement la suite des différentes parties. Après, il y a un sommaire, comme ça sert à ça, les sommaires. Donc,
Il y a la partie fondation, c'est ce premier 33 tours qu'on a enregistré, grâce d'ailleurs au financement des UCJ, des Unions Chrétiennes de Jeune-Jean, et l'époque c'est Christian Larraine qui travaillait là à côté, qui a poussé pour ce projet. Ensuite, la scène au plateau, c'est vraiment tout le début de cette multiplicité de lieux où il était possible de jouer à Strasbourg, et notamment à la MJC à la Méno, il y avait ce qu'on appelait les passades, et c'était une rencontre de toutes sortes de musiciens, de chanteurs. Il y avait évidemment Roger Siffer et Sylvie Reff, par exemple, qu'on a rencontré à cette époque-là, et qui ont contribué et qui ont apporté leur témoignage dans ce livre, puisque en dehors de nos écritures à nous, on a sollicité un certain nombre de personnes pour dire ben voilà comment est-ce que vous avez envie de parler des Célestins que vous avez croisés, avec qui vous avez joué, etc. Ouais, bon, alors, c'est des jazz clubs, c'est des bistrots. Évidemment, à Strasbourg, c'était l'Ange d'Or, où on a passé régulièrement. Et puis aussi beaucoup d'émissions de télévision. On était très, très souvent, à cette époque, vraiment une espèce de tremplin régional qui était fait pour les musiciens. La quatrième partie, c'est tous les festivals. Enfin, c'est un tour autour des festivals, avec deux grands lieux où on est revenu plusieurs années de suite, des festivals internationaux, hein, les jazz de Val-Orléans, Megève et Saint-Raphaël. Voilà. Et puis ensuite, une réflexion sur le temps qui passe. Ça s'appelle 20, 30, 50 et plus si affinité, c'est-à-dire que c'est au fond, à partir de 20 ans, on a commencé à fêter les anniversaires. Voilà. On a fait ça à Colmar, au théâtre, au Dylan, voilà, mais surtout à la salle des fêtes à Chédicmen. Parce qu'on a comme ça là, depuis combien de temps qu'on joue au Cheval Blanc? Cheval Blanc, c'est 35 ans. 35 ans, voilà. On a une espèce de fidélité avec la municipalité de Chichicamel, qui donc chaque année nous invite au Cheval Blanc, et puis qui ont toujours participé, et en grande partie financé, nos fêtes d'anniversaire, dont la dernière, donc le 3 décembre, on a fêté magistralement nos 50 ans à la salle des fêtes de Chichicamel. Et puis là, il y a des contributions, il y a notre premier banjoïste, Vital Fondu, qui a écrit un très beau texte sur ce qu'étaient pour lui les Célestins, et évidemment son regret de ne plus y être. Il y a Maurice Heimann, qui est l'organisateur du festival de Saint-Amarin, et qui nous a beaucoup aidé pour la sortie de ce livre, puisqu'il est en auto-édition. Maurice nous a beaucoup aidé pour que le livre puisse être publié. Francis Hirn, qui était à l'époque le président de Alsace-États-Unis et qui, avec qui on, hein, et directeur des DNA, et qui nous a invités pour des croisières, comme ça, croisière Alsace-États-Unis, où on naviguait sur le Rhin et comme sur le Mississippi le soir, on faisait des petits concerts et on animait. Il y a Daniel Heininger qui est là, qui a aussi apporté sa contribution, et puis c'est Pierre Zeiler, qui est un clarinettiste qui remplace régulièrement, qui vient jouer avec les Célestins quand il a l'occasion. Et puis une dernière partie qu'on a appelée séquence. Roger Siffer. Oui, il y a Roger Siffer, mais lui il était dans d'autres parties. Voilà. Et puis la dernière, donc juste la structure, la dernière partie, c'est des séquences, c'est des... Au fond, des petites réflexions sur des rencontres que nous avons faites, sur des... Voilà, par exemple, j'ai écrit un petit texte sur St. James Infirmary, parce que c'est un des premiers thèmes que j'ai joué avec les Célestins. Et puis, j'ai entendu des musiciens d'un tout autre style, de jazz beaucoup plus contemporain, et j'ai entendu qu'ils jouaient St. James et qu'ils en parlaient avec beaucoup de cœur. Voilà, donc voilà, c'est des petites séquences comme ça. Il y a... Mon coup de cœur à moi, c'est ce qu'on appelle des jazz textes. C'est à l'église, puisqu'on peut le dire ici, du protestant, à l'église Saint-Aurélie,
Voilà, on a fait un concert au profit des enfants malades, maladie, lysosomale, merci. Et on a, comme ça, c'est un concert où on, à la fois, ben, évidemment, on jouait notre musique, le blues, et puis il y avait des textes qui ont été lus, comme ça, c'était une très belle initiative, parce que c'est assez exceptionnel, c'est-à-dire d'articuler la question du jazz, celui que nous jouons, et la question d'autres textes, notamment les textes de... Celle qui est écrite sur les camps de concentration, enfin, je pourrais le retrouver, voilà, c'est dans le livre, mais on peut y revenir s'il y a des questions. Tu cherches celui de l'auteur des textes, ouais. Ah oui, non, il était cité, mais non, c'était une autre, une dame qui a écrit. Bon, ben voilà, on retrouvera ces dames, mais on peut échanger là-dessus, puisque c'est l'objet. Voilà, il y a Christophe qui a écrit. Voilà, qui a écrit toutes sortes de choses, et y compris un petit glossaire sur les termes techniques, sur le. Voilà, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un bœuf, par exemple, c'est expliqué. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent compléter avant de passer la parole à Daniel, qui est un peu chargé de... C'est pas Christophe qui a fait. Ben, il faut peut-être parler de Jean-Marie Vim, qui n'est pas parmi nous, ouais. Qui est notre banjo titulaire, remplacé aujourd'hui avantageusement par Eric Cousin, un ami musicien qui a... établi ses pénates de l'autre côté du Rhin, mais avec lequel nous jouons régulièrement. Jean-Marie Ville, qui est à l'origine un colmarien également. Le Célestin, toute première mouture, c'est vraiment 50-50, Colmar, Strasbourg. Avec les ambiances propres à ces blagues d'un goût douteux toujours. Entre le marin et le haut-rhin, je vais donc passer désormais le micro. Merci Pierre pour cette présentation du livre. Alors, je pense que le public ici présent aimerait peut-être en savoir un peu plus sur vous, les Célestins, et sur cette longévité assez extraordinaire, si je dois dire. J'ai cru comprendre en feuilletant le livre, et c'est ce que tu disais tout à l'heure d'entrée de jeu, Pierre, que... Il y a une sorte d'articulation de genèse qui se passe dans un quartier de Strasbourg, à savoir le Neudorf, dont est issue, si j'ai bien lu, la famille Eisenmann, avec les trois frères, et Jean-Louis aussi. Et puis, donc c'est une histoire de famille, avec des antécédents musicaux aussi, parfois, semble-t-il, chez certains d'entre vous, de quartier. Et puis, tu l'as déjà un peu évoqué, une paroisse, et plus précisément aussi l'Union chrétienne de Jeugnon, l'UCJG. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là de ce milieu, de ces trois dimensions? Oui, les Unions chrétiennes de Jeugnon, c'est un moment de jeunesse où d'ailleurs nous étions récemment, quelqu'un m'a envoyé un truc sur Facebook. Voilà, c'est quelque chose qui circulait, qui disait, ah oui, il y avait à Neudorf à l'époque, il y avait des cadets, puis il y avait des juniors, et c'est la famille Eisenmann qui les animait. Voilà, donc on était, en tout cas, Georges Paul et moi, on était assez engagés dans cette paroisse, notamment au niveau animation jeunesse, et il faut dire qu'il y avait donc ce qui est maintenant le 23, c'était à l'époque, on le disait, le foyer protestant, et on passait beaucoup de temps là-bas. En journée, en soirée, c'était très ouvert. On n'avait pas besoin de, pas toujours, parfois, bon, mais on n'avait pas besoin de demander la clé. Voilà, on était un peu, c'était un vrai foyer. Voilà, mais c'est une époque, je pense que ça existait ailleurs. Et donc, on jouait dans la fanfare. Et puis, il y avait aussi évidemment des jeunes filles. Et on avait envie aussi de. Et puis, il y avait quand même d'autres musiques qui étaient. C'était l'époque du rock, hein. Alors on jouait des morceaux de Johnny Hallyday, par exemple, à deux trompettes, je me souviens, avec Jean-Louis, on avait fait un duo sur Retiens la nuit, voilà, si ça vous dit quelque chose. Voilà, et il y avait aussi
Notre tout premier pianiste, Bernard Strüller, qui avait 14 ans à l'époque, qui après, fait la carrière que certains peut-être ici savent, qui est devenu entre autres le créateur et le directeur de la classe de jazz au conservatoire. Donc voilà, on s'est essayé avec les instruments qu'on avait, les guitares, etc. Et puis c'est un peu comme ça qu'on jouait au fait paroissial. Il y avait une fois par mois, ou peut-être tous les 6 mois, je ne sais plus. Il y avait des fêtes où il y avait du théâtre, on jouait avec la fanfare, bien entendu. Et puis il nous arrivait aussi de monter sur scène pour jouer des petits trucs un peu plus différents de cette musique de fanfare. Voilà, et ce n'est que peu à peu qu'on a trouvé cette inspiration, peut-être en écoutant les Haricots Rouges ou Louis Armstrong, enfin les premiers disques qu'on avait. Voilà, dire tiens, ben, moi j'ai une trompette, j'aimerais faire une musique, on peut faire avec une trompette. Et là, ça se passe bien. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Daniel. Juste sur la question des UCJG, voilà, bon, donc nous on était pas mal impliqués dans ce mouvement. Et donc c'est Christophe Aven à l'époque qui était responsable régional. Et comme ça, c'est des histoires d'amitié. Voilà. Je crois que c'est l'histoire, grosso modo, c'est déjà l'amitié entre nous, évidemment. Mais c'est aussi dans les contacts qu'on a noués avec les uns et les autres qu'on a pu, par exemple, enregistrer le premier 33 tours. On parle toujours des Célestins, les Célestins. Mais ça vient d'où, les Célestins? Pourquoi les Célestins? C'est quelque chose d'un peu théologique, non? C'est un peu orienté, non? Ça vous lirait dans le livre, hein, mais c'est raconté, c'est grand. Voilà, je pense que peut-être au pot, je le vois. Oui, c'est moi qui ai animé, effectivement, en 1964, des groupes pendant les vacances, je faisais l'animation pour la ville de Strasbourg. Et en septembre, pour fêter la fin des animations, ils ont voulu faire un grand spectacle au Palais des Fêtes de Strasbourg. Et donc, ils ont demandé à droite à gauche pour avoir des orchestres, pour avoir de l'animation. Et moi, j'ai dit, bon, voilà, j'ai un orchestre. Et donc, ils nous ont pris, bien sûr, et surtout qu'on ne demandait rien. Hein. Et par contre, ils nous ont demandé quel est votre nom de l'orchestre. Alors, jusqu'à présent, on se présentait sous le nom de l'orchestre du foyer protestant de Dorf. Mais là, c'était pas très. C'est pas très bon pour un spectacle comme ça. Alors, bon, il y avait beaucoup d'orchestres vieillis à l'époque qui avaient tous des noms anglais. On a dit, on va prendre un nom français. Mais alors, quel nom? On a réfléchi et puis. Au tout dernier moment, quelqu'un a lancé Célestin. Alors on a dit, ok, comme on jouait en chapeau de long, voilà, on était un peu déguisés, on a dit, bon, voilà, on va prendre ce nom-là pour cette soirée. Et donc on a joué ce nom de Célestin. Ça devait être une soirée, sauf qu'il y avait, le présentateur était un animateur de la radio et de la télé, et qui nous a demandé si on voulait jouer. Pour la radio d'abord. Alors on a dit, bon, d'accord. Alors on a dit, on va changer de nom. Alors le présentateur a dit, mais non, vous avez un nom original, gardez-le. C'est comme ça qu'on a gardé le nom de Célestin. Au départ, ça devait être pour une soirée, et c'est resté. Voilà. Par la suite, on a découvert, oui. On parlait déjà tout à l'heure du jazz New Orleans, peut-être qu'il faut expliquer quand même un peu plus, en moins de mots, les caractéristiques de ce jazz-là. On a bien compris qu'avec les instruments que vous jouez, il fallait trouver une musique qui aille avec vos instruments et votre style. Mais finalement, qu'est-ce qui vous a fait vous centrer presque exclusivement sur le New Orleans? C'est ça aussi la marque de votre groupe? La Nouvelle-Orléans, cette ville des États-Unis,
qui est un creuset extraordinaire culturellement, où se réunissent des influences nord-américaines, européennes, sud-américaines. Et quand on parle d'influences européennes, bien sûr, il y a des influences très, très diverses et de sensibilités musicales différentes, avec des traditions musicales différentes. Et bien sûr, il y a la présence des esclaves noirs qui amènent toute une tradition musicale, une approche de la musique. Il y a l'importance de la religion au travers des gospels. Il y a les chants de travail, dans les chants de coton, pour rythmer le travail, pour le rendre moins dur, si possible. On cède en chantant, la musique est présente dans toutes les couches de la société, elle est approchée en fonction des origines des uns et des autres. Et la Nouvelle-Orléans est vraiment ce creuset où va se fondre, où vont se fondre énormément d'influences musicales. Et ce jazz qu'on appelle jazz Nouvelle-Orléans parce qu'il est né là-bas, est constitué d'un certain nombre de choses qui n'auraient pas pu voir le jour ailleurs. Il est caractérisé par des instruments, ce qu'on appelle un instrumentarium, mais qui est lui-même variable. Les saxophones, par exemple, sont pas obligatoirement présents dès le départ. De par les influences rurales, on va retrouver des instruments comme le banjo, par exemple, mais aussi bien la guitare, la trompette ou le cornet, la clarinette, le sourassophone, la contrebasse. Parmi les influences aussi très importantes pour ce style de musique, il y a un style musical d'un instrument qui est difficilement transportable, c'est le piano, par le biais du ragtime, par exemple, qui vient nourrir aussi ce jazz de Nouvelle-Orléans d'une façon très très particulière. Il y a la musique classique, il y a la musique folklorique d'Europe centrale, par exemple, il y a les marches françaises, il y a la musique militaire, il y a les contextes qui déterminent aussi cet instrumentarium, c'est-à-dire que si on défile, ben, on peut défiler avec certains instruments, mais pas avec d'autres. Les percussions sont très présentes, et ce qu'on appelle la batterie en français, qu'on appelle drums, qui est un pluriel en anglais, c'est simplement l'amalgame et le fait qu'une seule personne va jouer à la fois de la grosse caisse, de la caisse claire, des cymbales, alors que c'était c'est parfois, dans certains contextes de fanfare notamment, des instruments joués par différentes personnes. Stylistiquement, on se rend bien compte que par rapport à la musique du 19e populaire, ce jazz-là, en tout cas cet idiome musical-là, apporte quelque chose qui fait que ça donne envie de bouger d'une certaine façon aussi. Alors on va appeler ça plus tard le swing, bien que ce terme-là soit aussi difficile à définir. Et le terme même de jazz, qui ne s'est pas toujours écrit J-A-2-Z, apparaît aussi comme étant le mot qui va désigner cette façon d'approcher, de jouer des choses qui par ailleurs, et d'ailleurs les nombreux orchestres blancs qui sont voyant le succès que pouvait avoir cette musique-là, se sont mis à jouer du jazz, swingaient entre guillemets d'une façon très particulière, un petit peu sautillante, mais on est loin de l'énergie que cette musique a révélée lorsqu'elle est née à la Nouvelle-Orléans. On pourrait parler des heures de cette musique et de ce qui en fait sa particularité. Lorsque nous donnons des concerts, on essaye effectivement de citer à l'occasion de l'un ou l'autre morceau des influences. J'ai évoqué aussi l'Amérique du Sud parce que bien évidemment par le biais de rythmes comme par exemple la rumba, c'est déjà présent aussi dans le jazz Nouvelle-Orléans. Il ne faut pas oublier que dans cette ville-là, qui est aussi un grand port, il y avait des brassages de population qu'on ne retrouvait pas dans d'autres lieux, bien évidemment. Comme entre le Barin et le Haut-Rhin. Et près de cette frontière entre le Haut-Rhin et le Barin, qui nous vaut parfois des
des remarques, puisque beaucoup de gens confondent Célestin et Célestat. Donc, vous avez trouvé votre répertoire de prédilection très rapidement. Et si je comprends bien, et j'espère ne pas dire de bêtises, ça fait grosso modo 50 ans que vous jouez la même musique. Ça fait plus de 50 ans que vous jouez la même musique. Alors, question, est-ce que vous la jouez toujours pareil, cette même musique? Ben justement, c'est ce qui m'a poussé à écrire ce petit texte sur Saint-James in Farmer. Parce qu'on le joue toujours, c'est un thème qu'on joue depuis 50 ans. Bon, il y a des thèmes qu'on ne joue plus, qu'on joue au début, et d'autres. Et, enfin, il faut dire aussi que pendant 50 ans, on avait été, peut-être moins ces 20 dernières années, mais au moins pendant 30 ans, on répétait toutes les semaines, hein, sans relâche, tous les vendredis soirs, c'était répétition Célestin qui pleure, qui ment. Mais aujourd'hui encore, on rajoute des nouveaux thèmes. À notre répertoire, on en fera tout à l'heure. La roulotte qu'on vient de mettre au répertoire depuis, on croit, ça fait un mois. Hein. Voilà. Enfin, deux répétitions. Voilà. Mais pour revenir à Saint-James, je joue Saint-James, en tout cas personnellement, quand je le joue, j'ai l'impression, mais je peux dire, c'est comme un amour, que c'est la première fois. Hein. Je crois que ça répond partie à ta question, Daniel, au sujet pourquoi ce répertoire. Parce que je crois que ça articule magnifiquement une musique écrite, arrangée, et puis la liberté d'improviser. Et la liberté d'improviser, c'est de jouer des notes sur une trame harmonique, voilà, qu'on connaît, assez simple. Mais la liberté d'improviser, c'est aussi la manière dont on joue chaque note. C'est-à-dire, on improvise chaque note, et après ça, c'est la musique, d'ailleurs. Un musicien qui joue la musique dite classique, c'est la même chose, il ne joue jamais deux fois le même morceau. Parce qu'il sort différemment, on le souffle différemment. Non, je ne sais pas, Robert, si tu. Ce que tu en penses. De jouer toujours les mêmes affaires, ça fait 50 ans qu'on a le même répertoire. Non, mais je pense la même chose, effectivement. J'ai personnellement toujours autant de plaisir à jouer les morceaux. Qu'on les ait fait depuis 50 ans ou 30 ensemble, et à chaque fois une autre interprétation, on va dire. Et c'est une musique de trip, entre guillemets, donc on joue avec notre cœur, voilà, et c'est ce qui est important dans notre musique, je pense. En tout cas, à titre personnel, j'avoue être toujours assez essoufflé, c'est-à-dire, bien sûr, j'entends le son, votre son, le son des Célestins, il y a 25 ans, pour avoir entendu différentes prestations, différents concerts aussi dans différents lieux. Et puis, c'est vrai, quand ça joue, ça joue. Et il y a une sorte de magie qui opère. Quoi. C'est-à-dire, on n'est pas là à se dire, ah ben oui, bon, le morceau, je l'ai déjà entendu, ah oui, c'est les mêmes qui jouent, la même, pas du tout. C'est le vécu, et comme tu viens très bien de le dire, c'est un peu comme si on le vivait la première fois. Quoi. Et cette, alors là je parle plus en tant que musicien, praticien, ces polyphonies improvisées mais structurées, enfin il y a de la structure, il y a de l'impro, il y a de l'impro, il y a de la structure, etc. C'est assez impressionnant parce que tout a l'air de se mélanger dans tous les sens. Et puis vous avez devant vous des gens qui jouent, alors ils semblent jouer vraiment presque chacun pour soi, et pourtant ça ne sonne pas chacun pour soi. Et c'est ça aussi, pour moi, la magie des Célestins, évidemment, avec pas mal d'occasions où chacun, à tour de rôle, peut donner de son talent, de sa inspiration, de son énergie dans des solos. Et ça, j'avoue que ça a quelque chose de toujours magique et de frais. Et c'est d'autant plus stimulant que ça marche à plus 20, ça marche à plus 30, ça marche à plus 40, et ça marche. J'en ai été témoin le 3 décembre 2022 à plus 50. Chapeau. Ce qui serait peut-être intéressant de dire, tu l'évoquais un peu Pierre, les répétitions. Alors on a compris, vous répétez peut-être moins ou moins intensément maintenant, mais comment ça se passe? Qui est-ce qui choisit la musique? Qui est-ce qui choisit les arrangements?
Vous lisez la musique ou vous, comment vous vous débrouillez avec tout ça? Oui, on est lecteur. Pas tous. Alors, ce qu'il faut dire, que au début, la musique qu'on joue n'est pas écrite. Ça se joue à l'oreille. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute des autres, même si on a l'impression que chacun joue dans son coin. Non, non, on joue par rapport à ce que joue l'autre. C'est la première chose. Et donc, on a certains morceaux où on n'a jamais fait d'arrangement écrit. On a dit on joue ce morceau. On a écrit la grille harmonique, par exemple, ou même pas. Et puis, on a essayé, on a joué, et puis ça a donné quelque chose. Et puis, pour d'autres morceaux, on a écouté des disques, et on a, Christophe ou moi, on a écrit des arrangements pour chacun. Mais ces arrangements ont toujours une partie de liberté, ou qui donne le droit d'improviser aux différents musiciens. Voilà. Ça va comme explication? Oui. Je crois qu'il est important d'intégrer l'idée aussi que rester un groupe aussi longtemps, c'est pas juste parce qu'on répète. Parce que si on n'avait fait que répéter pendant 50 ans, ça n'aurait pas duré 50 ans. Je pense, c'est parce que, évidemment, à l'occasion de ce livre, on a essayé de mettre des mots sur ce qui, du côté, enfin, vu du public, évidemment, même vu parfois de façon un peu superficielle par nous, on va dire, les groupes, les Célestins, c'est une histoire d'amitié. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça, et que le ciment, j'ai pas la prétention de dire ce soir, voilà, le ciment c'est ça. Mais en tout cas, un des ingrédients de ce ciment, c'est régulièrement le fait de pouvoir jouer en public. C'est-à-dire d'initier cette circulation d'énergie, cette communication non verbale, musicale, sonore, mais qui ne passe pas par des mots, et qui est un échange d'énergie, d'abord au sein de l'orchestre, et entre l'orchestre et le public. Et quand le public en plus danse, la boucle est bouclée. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que la musique qu'on joue 95 fois sur 100 devant un public assis, à l'époque où elle a été créée, si les gens restaient assis, l'orchestre n'y revenait pas la semaine suivante. Il était foutu dehors et on prenait des gens qui faisaient en sorte, enfin l'orchestre qui faisait en sorte que les gens aient envie de se lever et de bouger et de danser et de partager cette énergie-là. Et je pense encore une fois que le fait qu'on soit ensemble, c'est la possibilité, chacun avec son instrument, qui va bien avec l'instrument des autres, et cette énergie qu'on a appris à dompter entre nous, la plupart du temps, de pouvoir la partager encore une fois dans une vraie réalité. C'est redondant, mais dans cette réalité qui est le partage. Cette musique n'existe véritablement que lorsqu'elle est jouée, partagée et possiblement dansée. C'est à ce moment-là, en tout cas, j'en ai parlé avec la plupart d'entre vous, c'est à ce moment-là que pour moi, ce ciment des Célestins trouve son explication. Parce que sinon, on est un groupe d'humains, et un groupe d'humains qui décide de faire des choses ensemble. Des fois c'est super, et d'autres fois c'est différent. Il y a quelques couples dans l'assistance. On sait très bien que c'est un peu la même chose, puisque Pierre a évoqué les histoires d'amour comme étant on joue comme la première fois. Ouais. on essaye. Bon, à propos du couple, on a sûrement déjà dû vous la faire. Il y a
que des hommes. Que des hommes, je vois que des hommes. Bon, c'est, ça s'est fait comme ça, c'est votre histoire, il n'y a rien à redire là-dessus. Mais, si j'ai bien compris, de temps en temps, il y a quand même des femmes, telle ou telle femme, qui croisent votre vie artistique, j'entends. Ou autre, mais bon, on ne va pas parler forcément de tout. Oui, c'est un chapitre. Toujours du plaisir à habiter. Alors, c'est vrai que c'est la plupart du temps des chanteuses qui viennent se joindre. Il y a eu aussi des clarinettistes, hein, Aurélie, ouais. Voilà, parce que c'est aussi une musique, là, dans ce qu'expliquait Christophe, hein, dans ce plaisir de partage, c'est aussi une musique où, facilement, s'il y a une personne qui pratique le jazz, peut spontanément se joindre à nous et jouer avec nous. Donc, il y a eu quelques musiciens, mais c'est vrai que c'est quand même. Voilà, c'est plutôt une histoire d'homme, pourquoi pas. En tout cas, c'est un petit chapitre dans le livre où on évoque effectivement les différentes chanteuses qui ont joué avec nous. Et pour les 50 ans, on avait aussi invité Gemma Abrier, voilà. Contrebassiste barcelonaise. Gemma Abrier est magnifique chanteuse aussi. Voilà, on y viendra encore un peu plus tard. Est-ce que, en deux mots, il y a des souvenirs de scènes, notamment de festivals ou ailleurs, qui vous ont vraiment marqué, où il y a eu quelque chose qui s'est passé, Christophe? Je pense très spontanément à une soirée extraordinaire au pied du Palais des Papes à Avignon. Un soir d'été où nous nous sommes retrouvés, on jouait à Vaison-la-Romaine, où on avait été conviés, je ne sais plus à quelle occasion, pour les Coralies. Et on s'est dit, tiens, bon, ben, on va aller manger, on va passer du temps à Avignon. Et on s'est dit, ben, on va peut-être prendre nos instruments avec nous quand même. Et puis on est allé dîner, et après dîner, on s'est dit, et Avignon, je suppose que la plupart d'entre vous y ont déjà été. C'est un endroit où effectivement il y a beaucoup d'artistes de rue. Et donc on a avisé deux sergents de ville, Prudence, et on leur a demandé où, si on voulait jouer, où est-ce qu'on pourrait se mettre. Et ils nous ont indiqué le bout de la rue. On s'est mis là et on a commencé à jouer. Malheureusement, Alain qui est là, et qui, c'est vrai que les pianistes dans ces cas-là sont souvent frustrés, et on peut comprendre ça. On s'est installé, on a commencé à jouer, et au bout d'une demi-heure, il y avait 250 personnes qui étaient là. Les maisons en face, on voyait les volets s'ouvrir et des gens disposaient des chaises sur leur terrasse. Et voilà, on était de nouveau dans cette expérience d'un partage totalement spontané, absolument pas planifié, et qui a pu opérer parce que cette musique qui préexiste au Célestin chronologiquement, et dans laquelle nous venons puiser quelque chose, nous nous donnons les moyens que cette musique advienne. Pentecôte, c'était pas loin. Pour moi, c'est un peu ça. Il y a quelque chose, sans tomber dans du mysticisme un peu facile, mais cette musique préexiste. Et nous, par notre pratique, nous nous branchons sur cette préexistence-là. Nous la rendons audible à un moment donné. Et lorsqu'il y a un public, et lorsque ce public, encore une fois, réagit au point de danser, bien, voilà, il y a cette aventure devient une aventure, quelque chose advient. Et ça fait partie, je pense, des raisons pour lesquelles nous restons tous ensemble, parce qu'on assiste à cette espèce de miracle à chaque fois.
Il y a d'autres exemples, évidemment, de soirées particulièrement réussies. Nous avons fait à l'époque aussi la rencontre avec Claude Luther. J'étais personnellement très impressionné parce que c'était quand même un grand nom du jazz sur le territoire français et même international. Et puis il y avait aussi Alton Purnell, le pianiste qui a joué à Antony quand nous y avons joué aussi. Il y avait Harry Corouge. Voilà, c'était de belles rencontres qui marquent. Vous en parlez très pudiquement, mais ce sens du partage qui a déjà été évoqué, vous l'appliquez aussi à des missions caritatives, si je puis dire, avec des concerts qui sont dédiés, ça a déjà été évoqué. Et il y a aussi quelque chose qui surgit dans le livre, à tout bout de champ, c'est que vous jouez des bœufs ou des bœufs, on dit plutôt des bœufs. Des bœufs. Des bœufs, voilà. Alors, parlez-nous un peu des bœufs que vous jouez. Bon, voilà. chacun de nos anniversaires, notamment, on se disait, on ne peut pas juste. On aurait pu, voilà, faire un concert comme nous le faisons habituellement. Et voilà, le plaisir, et parfois c'est aussi une épreuve. Nous invitons d'autres musiciens à venir partager un ou deux thèmes. Là, c'est ce qu'on appelle faire de bœuf. Puis c'est joint, et puis ça fait une espèce de. À un moment, c'est un peu chaotique parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui. Parce que si chacun veut prendre un solo, ça fait des morceaux qui durent 3 heures, donc il faut un peu l'organiser. Mais c'est ça, un bœuf, c'est. Mais enfin, fondamentalement, c'est l'idée t'as une carinette, t'as une trompette, t'as un sax, bien joué. Et puis, voilà. On a proposé à Thomas d'amener sa guitare pour. Voilà, on aurait pu faire un bœuf tout à l'heure, c'est malheureusement venu avec Thomas, mais je crois qu'il l'a pas. Et puis Mathias, donc le directeur du Stif, nous a dit ah, s'il y a des jeunes qui veulent jouer avec tout, c'est possible. Bon, il faut qu'ils connaissent le répertoire, c'est quand même la condition. Voilà, on peut pas. Il faut être inscrit dans. Au fond, c'est ce que racontait Christophe, de cet esprit du jazz de Nouvelle-Orléans, il suffit de le connaître et on peut. Et nous-mêmes, on fait bœuf avec d'autres orchestres. Voilà. Alors, si vous feuilletez ce livre, vous verrez les Célestins, vous ne les entendrez pas jouer directement, mais pour ça, ils ont de magnifiques CD. Je fais la promo aussi un peu, hein. C'est important parce que ce sont pas seulement des souvenirs, mais vraiment de très beaux vécus de studio. Peut-être qu'il y aurait l'occasion même d'en parler. Mais dans le livre, vous les verrez aussi accoutrés de toutes les façons possibles et imaginables. Et ça, je trouve quand même assez marrant qu'on a, voilà, 5, 6, 7 bonhommes. Ils jouent donc, on a compris, toujours la même musique depuis 50 ans, mais alors ils se fringuent chaque fois avec une fantaisie, des nouveaux costumes. Enfin bon, c'est assez épatant. Je me souviens même le 2 décembre dernier, vous étiez en deux habits différents, voilà, première partie, seconde partie. Est-ce que ça ne ferait pas un peu partie de votre marque de fabrique aussi, cette histoire de tenue en concert? Je crois que la plus belle tenue, c'est la télévision qui nous l'a offerte, puisque un des réalisateurs a décidé de faire une émission de télévision, il allait démontrer que le jazz est né en Alsace. Et donc, ils nous ont vêtu, enfin, la photo est dans le livre, avec des smokings en bleu clair. Et donc, on a joué sur fond bleu, et ensuite, Alfred Elter, puisque c'est lui dont il s'agit, a fait des incrustations, ce qui se fait maintenant beaucoup, mais qui à l'époque, c'était vraiment une technique pour la télévision qu'il avait mise au point. Voilà, mais là, on était très beau, on a des chapeaux de forme. Je ne sais pas à quelle page c'est dans le livre, mais ça, c'est. Il faut dire que le livre, ce n'est pas que du récit. Hein. Puisque quand on a commencé à mettre en œuvre ce projet, chacun a ramené des stocks et des stocks de press-book, hein, c'est-à-dire de collections d'articles, de presse, voilà, et de photos. Et donc, il y a évidemment énormément d'illustrations. On
on voit tous les âges, presque par la naissance, mais entre 18 et puis l'âge actuel. Quoi. Bon, j'ai maintenant une question qui peut être un peu indiscrète, voire provoque, je sais pas, bon, selon la manière dont on l'entend. Les Célestins ont-ils fait des bébés? Mais ouais. Et comment? Bon, moi j'ai le micro, alors je vais essayer de répondre. Les Célestins ont-ils fait des bébés? C'est-à-dire, si j'essaie de comprendre, non pas l'aspect provocateur de ta question, mais juste un prolongement, c'est-à-dire, y a-t-il des gens des générations suivantes dans nos familles qui sont musiciens et qui jouent ce style ou qui ont... La réponse est oui, pas dans toutes les familles, mais oui, il y a des familles célestines où il y a une très belle relève, pas obligatoirement dans ce style-là, d'ailleurs pas du tout dans ce style-là, de façon amateur ou professionnelle. Mais en tout cas, je pense que une fois réglés les conflits entre enfants et parents, et non, je te dois rien, si je fais de la musique, ça ne vient pas de toi. Une fois que ça, ce genre de choses est réglé, effectivement, on se rend bien compte que les contextes familiaux sont plus ou moins favorables à l'éclosion d'un certain nombre de vocations. Oui, dans une revue Jazz Magazine, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, il y a un de mes fils qui est interviewé sur sa pratique professionnelle du jazz, et il raconte, mais je découvrais, je ne savais pas du tout, que dans toute son enfance, il passait son temps dans les coulisses pendant que les Célestins jouaient, et donc il témoigne que c'est aussi de nous avoir entendu qu'il a amené à pratiquer la batterie. Voilà. Bon, oui, il y a des musiciens de nos enfants. Et des petits-enfants, oui. À ce propos, ceux qui parmi vous ont assisté à cette fameuse soirée des 50 ans à la briqueterie à Chéticaille ont pu entendre Pierre et sa bien sûr, tous les Célestins, évidemment, mais Pierre et sa petite fille. Charlotte Eisenman, pour une partie de programme. Charlotte est flûtiste de jazz, remarquable. Et je dois dire, et je crois que j'en avais parlé Pierre après l'événement, j'étais de ceux qui étaient extrêmement touchés par cette continuité. Enfin, je ne sais pas si c'est un passage de relais, ou une continuité, ou une complicité, peut-être tout à la fois. Mais c'était un très, 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 très beau moment de vivre ça, de se dire, ben, les Célestins, c'est pas juste des gens qui ont réussi envers et contre tout ou de manière tout à fait remarquable, extraordinaire, et c'est un parcours en soi qui est absolument magnifique. C'est pas seulement ça, mais c'est aussi quelque chose qui se partage, je retiens de cette soirée ce mot partage qui est tellement important, avec une génération qui grandit, effectivement, et c'est ce qui donne aussi beaucoup de portée à tout ce travail que vous faites. Y a la joie que vous partagez de jouer cette musique ensemble. Il y a ce que vit le public en face de vous. Et j'ai l'impression qu'il y a un public aussi qui vous suit, qui est toujours au rendez-vous important. Ça porte un peu vers ma dernière question, je pense, vu l'heure qui passe. Vos projets. Pas à part. Ouais. Christophe parlait de miracle la dernière fois, qui a vu aussi le vieillissement de nos cellules. C'est vraiment... Enfin, le projet, c'est de ne pas en avoir au-delà d'avoir la chance de continuer à jouer. Alors, je crois qu'une de nos grandes chances, c'est qu'on est un groupe amateur. Je me souviens, il y a très très longtemps, il y avait une émission de jazz animée sur une des radios locales et le présentateur me disait, mais au fond, vous avez de la chance d'être amateur. Parce que faire la même chose
pour vivre professionnellement, c'est quand même très très dur. Et je crois que c'est aussi pour ça que notre projet, c'est de continuer à vivre ce partage, hein, que Christophe a écouté. Que... Alors, en date, comme si vous regardez le listing des concerts, il y a des années où on faisait 10, 15, 20 concerts par an. Là, ces dernières années, ça a quand même beaucoup diminué. Voilà, prochainement, on a en tout cas une date sûre, c'est au Cheval Blanc, comme chaque année. Il y a demain. Demain. Ah oui, il y a demain d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. Demain, nous jouons au Climont, pour Alexandra Breitnik, pour ceux qui la connaissent. C'est la fête du Climont. Sinon, on a cette date au Cheval Blanc en novembre. Et puis un projet au théâtre à Colmar pour une deuxième édition des 50 ans des Célestins. Voilà. Après. Oui, j'ai envie de rajouter l'expérience qu'on a eue au nord de Strasbourg. On a joué pour une fête où les gens dansaient, dînaient, etc. À Eckversheim. Et on a eu, comme ça nous arrive finalement assez régulièrement, on a eu deux demandes privées. Des gens qui sont venus nous voir, nous demander si on jouait des soirées privées, quelles étaient nos conditions, etc. Et ce soir-là, parmi les couples qui dansaient, il y en a deux qui sont venus nous voir en disant « on aimerait bien que vous soyez présents à notre anniversaire et quand on considère les gens qui étaient là, c'est des âges très respectables, parfois même plus que nous encore, ça existe. Et on est ravis de ce genre de sollicitation. Bien sûr, ça fait partie des projets, mais pour l'instant, nous n'avons pas fixé de date pour ces soirées privées. En tout cas, je ne peux que souhaiter longue vie à votre jeune ensemble. Il y a quelque chose de jeune chez les Célestins, ce qui est remarquable. Et je vous invite vraiment à vous procurer leur magnifique ouvrage, parce que, évidemment, il y a beaucoup de souvenirs qui ont été évoqués, racontés. C'est souvent croustillant, il y a quand même des trucs assez marrants, parfois même un peu pas foutraque, mais enfin, bon, il y a de l'ambiance aussi par moments. Et puis, ça montre vraiment une magnifique carrière, même si l'ensemble est formé d'amateurs, dans des festivals, sur des plateaux de télé, dans des studios. Et le résultat est là, en disque, vous en avez plusieurs encore qui sont disponibles. Et c'est de la musique toujours non seulement agréable à écouter, mais pour ma part, c'est mon avis personnel sur la question, très bienfaisante, très ressourçante. Et bien sûr, on peut danser dessus, on peut danser, mais on peut danser intérieurement aussi. On peut rire, pleurer, aimer, chanter sur cette musique. Les voir, les entendre en live sur un plateau, et je crois que c'est ce qui va se faire là, dans quelques minutes, ce que vous avez entendu tout à l'heure aussi. Comment s'appelait d'ailleurs le morceau que vous avez dit? C'est un blues. C'est le genre de choses qu'on peut faire sans préparation. Et c'est en bœuf, voilà, on fait un blues en 6D. Tout le monde sait ce que c'est, et on joue. On n'a absolument pas besoin de thème, ni de. C'est juste une manière de jouer sur une grille harmonique. En tout cas, merci les Célestins. Oui, merci aux Célestins, merci à Daniel pour cette brillante animation. Donc, le concert démarre théoriquement à 45, vous avez donc 7 minutes pour acheter le livre ou les disques des Célestins et vous les faire dédicacer si vous le souhaitez. Et